Oh, mais on capte pas internet ici! Je peux pas envoyer un message à mes amis ou regarder des vidéos! Oh là là, mais c'est l'horreur! Faut vite qu'on retourne à la maison, que je retourne chez moi pour que je puisse enfin avoir de la connexion, appeler mes amis, jouer à des jeux, regarder des vidéos YouTube, des TikTok! Oh là là, mais pourquoi on est parti en vacances ici? Alors, normalement, le propriétaire m'a dit que si on se met à cloche-pied, comme ça on a un peu de connexion. Bon allez, c'est bon, j'en ai marre là. C'est pas possible. Bon allez, je vais faire ma valise. Ah non, ça capte rien ici. J'arrive même pas à regarder une vidéo. Le prochain train. Hop. Bon, c'est pas grave si j'oublie quelques affaires. De toute façon, Esteban il part pas avec moi. Je vais partir toute seule. C'est pas grave. C'est des vacances sans connexion. Il faut profiter de la nature. Oh, ça pue le caca de vache. On est vraiment pas fait pour être à la campagne. Hop. Allez, vite, on y va, parce que j'en ai marre de cette maison sans connexion. C'est pas grave. Plus qu'une semaine à tenir. Bon, allez. Un peu de courage. Dans quelques heures, je serai chez moi, dans mon lit, tranquillement, avec de la connexion, du coup. Bah, qu'est-ce que tu fais, Lily Rose? Là, c'est bon, Esteban, j'en ai marre. Comment ça, je m'en vais de cette maison, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien du tout. Oh, je ne peux même non. pas téléphoner non, à mes amis. Lily Rose, tu vas pas t'en aller pour ça. Pourquoi? Bah, moi non plus, j'ai pas de connexion. Et pourtant, bah oui, mais moi, c'est plus grave. Et pourtant, je me comporte très bien. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Bon, j'y vais quand même. Non, mais t'as vraiment fait ta valise? Mais oui, j'ai fait ma valise. Non, mais tu peux pas partir comme ça. Tu te rends compte, il nous reste une semaine. Une semaine, c'est énorme. C'est pas grave, une semaine sans connexion. Bah, si. Non, non, c'est pas grave. Si, c'est grave. Allez, au revoir. Ouais, bah, de toute façon, tu vas vite revenir quand tu vas voir les horreurs que j'ai vues dehors. Oh. Oui, bah, c'est pas ça qui va m'empêcher d'y aller. Moi je vais à la gare et je prends le prochain train qui m'emmène chez nous. Toute seule? Oui. Tu vas prendre à la gare toute seule. Tu vas prendre un train toute... Elle est vraiment partie? Mais je rêve. Comment je vais faire tout seul ici maintenant? Sans connexion. Et ce Peppa Pink qui est tout le temps en train de dormir. Qu'est-ce que je peux faire? Ne pas s'ennuyer. Ne pas s'ennuyer. Salut Lily Rose. Ne pas s'ennuyer. Bon, allez, j'y vais. Je pense que c'est en haut de la montagne. Allez, encore tout ça à monter et on y est. Eh oh, y a quelqu'un? Eh hey. Oh là là, oh, j'en ai marre. Ça fait au moins 2 semaines que je suis perdue dans la forêt. Quelle idée de partir en vacances aussi loin de la ville! Maintenant, pour aller à la gare, on se retrouve à passer par des chemins vraiment étranges et très... avec beaucoup de végétation. J'ai croisé personne! Où est mon train? Et j'ai même plus de téléphone! Et il n'y a pas de réseau! Hé hey. Oh! Toi là-bas! Oh oui! Ah, tiens. Vous êtes qui? Oh, ben, je sais même plus qui je suis! Mais tu vas où? Bah, à la gare. Oh, accompagne-moi. Ok, oh, ok. Vous allez où? Non mais tu sais, il faut faire très attention dans ces chemins. Oui, bon, ça fait 2 semaines que je suis bloquée dans cette forêt. 2 semaines? Eh oui, je devais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi, dans mon ancienne maison. Comment ça? Mais vous m'aviez dit que c'était par là la mais gare. Oui, mais... Comment je vais faire sans téléphone et sans réseau? Bon allez, au revoir, je reste. Oh, non, je vous suis. Je vous suis, madame. Okay. Je n'ai pas d'autre choix. Allez. La route. Oui, enfin la route. Hein, madame, vous oui. êtes où? Oui, accompagnez-moi, je suis là. Accompagnez-moi chez vous et servez-moi un bon verre d'eau. D'accord. Ça fait, comme je vous ai dit, ça fait 2 semaines que je suis dans la forêt. 2 semaines. Je n'en peux plus. Ok, ah, bon bah bon. Suivez-moi. Je vous aide à prendre votre valise. Ah merci. Aucun souci. Ok, ah bah merci hein. Oh là là, la civilisation. Plus vite, plus vite. Oh, enfin! Allez, asseyez-vous, monsieur! Oh, oui, s'il vous plaît! Vous voulez un verre d'eau? Oh, un téléphone! Non, non, c'est. Oh, non, non! Je vais pouvoir appeler ma famille et leur non, dire non, que non, je vais non, bien! Pas tout de suite! Oh là là, vous appelez comment? Apportez-moi un verre d'eau! Attendez, attendez! Apportez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît! Arrangez-moi, apportez-moi un verre d'eau! Apportez-moi un verre d'eau! D'accord, je vous apporte un verre d'eau! Oh, enfin! Enfin, quelqu'un m'a sauvé! Mais quelle idée d'avoir ramené un inconnu à la maison!
Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Bon, allez, un petit verre d'eau, hop. Oh, même l'eau ici, elle est bizarre. Quelqu'un va sauver. Ah, c'est bon. J'ai réussi à la faire revenir. Mon plan a fonctionné. Comment elle est rentrée à la maison, elle a dû avoir la peur de sa vie. Bon, allez, c'est bon, j'arrive, monsieur. Bon, c'est parti pour une bonne semaine de vacances, sans connexion et en toute tranquillité. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a pas grand-chose à faire, mais on va le faire. Monsieur? Monsieur? Vous êtes où? Je vous ai ramené votre verre d'eau, hein? Eh oh! Bon, bah, je vais le poser ici, on sait jamais. Peut-être qu'il va revenir. Peut-être qu'il est parti aux toilettes. Bizarre, bizarre. Bon.